un drone mosquito. Gardien ennemi actif. Let's go baby, let's go. Let's go. Et yo l'équipe, c'est Rookie. Du coup, dans ce gameplay, j'ai essayé de jouer un maximum avec le pistolet tir. Et franchement, quand je dis qu'en deux balles, il tue, si c'est deux balles dans le torse, ça met votre adversaire à terre. Et...
Ou directement vous le tuez s'il n'a pas d'autoréa. C'est pas des conneries. Le seule difficulté, c'est que la cadence est un peu lente. Et puis si vous loupez une balle, bah là c'est un peu la merde face à des SMG ou des mecs qui ont des grands mouvements. Donc voilà. Mais sinon, pour le class setup, j'ai pas utilisé le kit de conversion. J'ai mis la gâchette fureur du LUR, je peux vous mentir, pour augmenter un maximum la cadence de tir. J'ai utilisé les munitions à grain élevé pour optimiser la portée des dégâts et la vitesse des balles. Idem pour le canon. J'ai mis le canon long et lourd ZU-16, qui permet aussi un contrôle du recul, tout comme la crosse ZLR Strelk, sans trop pénaliser votre mobilité. Et enfin, j'ai mis en bouche également un compensateur réducteur de flash ZEM35. Je sais pas si on peut voir les dégâts. Oui, voilà. Oui, donc on va dire c'est vraiment le torse. Si c'est l'abdomen, donc ce qu'on appelle le tronc inférieur, ça sera 3 balles. Mais à partir du moment où vous touchez le torse ou la tête, 2 balles suffisent, comme vous pouvez voir, parce qu'on a 300 HP quand on est plaqué à fond. Et si vous faites 180 x 2, c'est 360. Donc 2 balles suffisent. J'ai essayé au stand de tir, 10 mètres, c'est sûr, 20 mètres, non. Donc la limite, je ne sais pas à combien elle est, mais elle est entre 10 et 20. Donc clairement, c'est vraiment une arme de toute façon pour bouger vite et puis pour vraiment de la courte portée. Enfin voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.